Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve. Je ne vais pas vous parler d'une nouveauté aujourd'hui, ce sera plutôt demain, car on a tellement de choses à parler. Et aujourd'hui, je voudrais bien inclure une nouvelle rubrique dans Passion Blu-ray DVD. Tout d'abord, je tiens à remercier et je tiens à vous le signaler. Ça a fait super chaud au cœur. C'est que vous voyez que maintenant, on fait aussi des pop. Et si vous vous souvenez, il y a un moment donné, j'ai parlé de Negan. Et Negan, vous savez que l'acteur s'appelle Jeffrey D. Morgan. Et Jeffrey D. Morgan a vu la publication de Negan. Et il s'est empressé de venir chercher notre publication, le travail du slasher et moi-même, pour mettre sur son Facebook officiel. Et ça nous touche énormément, la preuve que le travail paye à un moment donné. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, dans cette nouvelle rubrique, on va parler des inachevés. Et je voudrais bien vraiment tirer un coup de gueule. Car nous avons un marché parallèle en Amérique et en Europe sur les séries télé. Il faut savoir que les séries télé aux États-Unis, si elles ne vont pas remporter de l'audimat après 2-3 saisons, elles sont jartées. Et malheureusement, nous ici, on est desservis déjà en retard. Mais en plus de ça, il faut savoir que malheureusement, si même l'audimat il est supérieur en Europe, automatiquement, si le marché américain ne marche pas, on l'a dans le fion. Et je voulais vous parler de cette série télé qui est malheureusement n'a fait que 2 saisons. Et franchement, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Ça s'appelle Révolution, saison 1 et saison 2. Voilà. Malheureusement, elle s'est arrêtée à la saison 2. Celle-ci, j'ai pu la trouver à Auchan au prix, je vous dis honnêtement, de 3 euros en Blu-ray. Je vous dis bien 3 euros en Blu-ray. Et celle-ci, je l'ai commandée sur une plateforme car on n'en trouvait pas. Et voilà. Faut savoir que, comme vous le savez, j'aime et on aime ici dans Passion Blu-ray DVD les séries post-apocalypse. Un peu comme Walking Dead, Revolution, Z Nation, c'est tout ce qui pratiquement qui s'amène avec les Sean. Voilà. Donc Révolution, c'est simple. Tout commence tout simplement par deux jeunes qui sont dans une voiture et ils entendent un portable qui sonne. Enfin, on voit d'abord quelqu'un qui rentre chez lui et qui dit dépêche-toi, remplis des seaux. Ça va se couper et ça ne s'allumera plus. Pareil, on entend ça au téléphone. Et boum, comme par hasard, tout se coupe et le courant n'existe plus. Donc plus d'alimentation électrique. Donc automatiquement, on est tributeur. Et ça revient à l'âge de pierre. Ils se battent à l'épée et tout ça. C'est vraiment un post-apocalyptique. Donc moi, je vous conseille franchement ces 2 saisons. Malheureusement, à la fin de la saison 2, vous voyez bien que le producteur voulait faire une troisième, mais bon, que voulez-vous, ça s'est arrêté comme ça. Je vous invite à regarder un extrait, on se retrouve tout de suite après. It's my brother. Benjamin. What's up? Listen to me very carefully. It's gonna turn off and it will never turn back on. What's gonna turn off? Everything. Ben. Miles. What's going on? So, what caused the blackout? Was it a solar flare? An electromagnetic pulse? Physics went insane. The world went insane overnight, and nobody knows why. I have been searching for you for a very long time. What's this about? I suppose this is your boy. Come here, Dad! 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 Danny's gone. You need to find my brother, Miles. He can get Danny. Why would they take Danny? I guess we'll know when we find him. This brother, Miles, what do we know about him? All my dad ever said about him was that he's good at killing.
Oh. You drew first. That put your blood on your hands, son. God knows what they're doing to Danny right now. So you are gonna help me get him back. Why is that? Because we're family. Your brother is bait. Monroe thinks your dad knew something. And he thinks your dad told me. Why, the lights went out. What? Voilà, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. En tout cas, moi, oui, et franchement, je suis resté sur ma faim après la saison 2. Alors, ben voilà, le monde bascule, comme je vous l'ai dit, à sort d'électricité, on est tributeur de beaucoup de choses. Hein. Et voilà. Alors, la réalisation est de John Favreau, Charles Benson, Sanford Baskerville, Félix Enrique Alcala, John Kaiser et Steve Byun. Avec, donc, il y a Bill Burke, qui est quand même fort connu. On le retrouve aussi dans la série The Zoo, qu'on vous a présenté. On a Tracy Spyrdakos, Di Carlo Esposito, Zach Hort, David Lyon, J.D. Pardo. Le scénario est de Eric Cripps, Monica Brin, Anne Caulfield, Sanders, Paul Greenland, David Rambo, et oui, c'est pas une blague, et Mike Pitts. La musique est de Christophe Lennertz. La durée de la première saison est de 14h20. C'est sorti chez Warner au prix donc de... Maintenant, on le trouve à 3€ si vous le trouvez encore. Et c'est sorti en 2014. Le contenu, on trouve la copie digitale. Et il faut savoir qu'en Blu-ray, on a quand même la création de Révolution. Les 5 web épisodes, les acteurs, l'équipe du tournage et un regard en profondeur du pilote de Revolution et les scènes coupées. La première saison, il y a exactement, je crois si mes souvenirs sont bons, 20 épisodes de cette saison. Et alors après, on repart sur la deuxième saison. Hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué car on retrouve un président, on retrouve... des patriotes, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment super bien foutu. Et encore une fois, on retrouve tous les mêmes acteurs, les mêmes protagonismes, les mêmes scénaristes, les mêmes à la réalisation. Et là, c'est de 15h02. Et c'est sorti en 2015. Et là, on est à 22 épisodes. Avec, bien entendu, des bonus. Cap à l'Ouest, Impact Révolution, Nations Unies, rencontre au casting et scène coupée du 13 épisodes. Et il y a un bêtisier. Voilà, moi je peux juste vous dire, je suis vraiment sur ma faim, c'est pour ça que j'appelle cette séquence, cette séance, les... je ne tombe plus sur le nom tellement que ça m'énerve, les inachevés. Car à la fin de la dernière, ces derniers épisodes, je ne vais pas vous le spoiler, hein, mais bon... ils entendent des voix qui disent allez dans l'Idaho, rendez-vous tous à un tel endroit. La saison se termine, on les voit tous arriver à un tel endroit. Et nous, on sait en suivant la série qu'il doit se passer quelque chose, mais malheureusement, il ne se passera jamais rien. Il faut faire travailler son imagination, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage que les éditeurs américains se basent beaucoup sur leurs audimates. Et ne pense pas à nous, les petits Européens, dans ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc franchement, même si ce n'est pas, on va dire ça, achevé, pensez à Revolution, regardez-les et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment kiffé cette saison. Et il faut savoir qu'on retrouve aussi des gens qui ont joué dans The Lost, notamment... et des choses comme ça. Voilà. Allez, je vous fixe rendez-vous pour une prochaine rubrique. À bientôt.